Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce nouveau week-end plutôt ensoleillé. Et pour bien poursuivre ce dernier, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un Combiner Wars, voilà, qui m'a été offert par ma chérie il y a quelques semaines. À savoir que ce Combiner Wars, donc en fait, j'en ai eu trois. Et ces trois derniers donc proviennent du magasin Action, voilà, donc où j'ai pu me les procurer pour 10 € pièce, voilà. Donc je remercie encore mon chat pour ces petits cadeaux. Et donc j'ai décidé de vous en faire une petite revue, voilà, changer un petit peu des sempiternels G1 et compagnie. Pour aujourd'hui, donc, nous attarder sur la version Combiner Wars du Decepticon Onslaught. Voilà. Donc, sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi, je vous donne peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bonne revue et amusez-vous bien, les petits amis. Allez, ciao. Et pour commencer, voici dès à présent la petite boîte, voilà, où se trouvait donc notre ami Onslaught. Nous retrouvons bien entendu la déco typique des box Combiner Wars, qui font partie toujours des gammes Generation. Voilà, donc sur les tranches latérales, symbole Autobots. Ici, un aperçu de notre Onslaught dans son mode combiné version Bruticus, et au dos, voilà, donc nous retrouvons donc notre bétail, donc dans sa forme alternative, voilà, qui reprend, donc qui est un remold de Hotspot, qui était du Hotspot, donc qui forme Defensor, qui était également sorti dans la collection Combiner Wars. Ici, nous le retrouvons dans sa version bot. Nous avons, voilà, ici des petites explications qui nous expliquent qu'Onslaught a fait des Combaticons une force d'attaque quasiment imparable. Il dirige son équipe avec la précision d'un général et s'attend à ce que ses plans soient exécutés à la perfection. Voilà. Pour avoir Bruticus, bien entendu, il vous faudra trouver donc les 5 Deluxe Decepticon, donc Blastoff, Vortex, Swindle et Brawl. Voilà, donc les 4 pour former les bras et les jambes de Bruticus, que je n'ai malheureusement pas, puisque moi, j'ai pas trop suivi la gamme Combiner Wars, à part Ultramanus et puis Megatron aussi, que j'ai beaucoup aimé. En tant que Combiner, je ne possède que Menaceur. Voilà, donc pour ce qui est de la boîte. Nous retrouvons également donc la notice d'utilisation. Et puis, la petite carte collector, voilà, avec un artwork de notre ami Bruticus, une fois de plus, très très bien réalisé. Voilà, donc, en ce qui concerne le contenu. Et voici à présent notre ami Onslaught dans sa version véhicule militaire, voilà. Donc, comme je vous le disais, hein, nous reprenons le mold de Hotspot, sauf que voilà, au lieu d'avoir l'avant qui se trouve ici, nous avons l'avant qui se trouve au niveau des bras. Voilà ce qui va changer entre la version entre Hotspot et Onslaught. Bon, et notamment, bien entendu, l'aspect plus militaire. Donc voilà, on retrouve un véhicule plutôt pas mal réussi, assez futuriste, avec les petites fenêtres qu'on aperçoit juste ici. Et sur les côtés, voilà, les fenêtres des cabines. Nous retrouvons bien entendu ces deux fameux donc canons qu'il porte sur le toit. Et voilà, et donc plus possible pour lui de porter par contre un autre de ses compagnons, puisque la partie arrière est complètement pleine. Voilà ce que ça donne un petit peu. On retrouve également donc le symbole Decepticon juste ici, le tampon. Voilà, pour le véhicule, il roule plutôt pas mal.
Donc voilà, hein, assez réussi dans l'ensemble, mis à part donc cette partie-là qui ressort un petit peu et qui malheureusement donc nous laisse entreapercevoir le haut de la tête de Bruticus. Mais sinon, voilà, le véhicule en lui-même est quand même plutôt pas mal réalisé, hein, pour un, on va dire, une version plus évoluée et plus futuriste de Bruticus. Nous avons également donc ces deux petits ergots qui se retrouvent donc côte à côte et qui permettent donc, voilà, Hasbro a poussé l'inventivité jusqu'à rendre compatible, bien entendu, comme dans le comics, Shockwave et Onslaught. Voilà, donc Onslaught a la possibilité de pouvoir transporter Shockwave dans son mode véhicule. Voilà, plutôt sympa d'y avoir pensé. Donc, et bien entendu, il y aura une interaction, il y a également une interaction possible avec le mode robot, pardon. Voilà donc un petit peu, voilà, pour ce qui est de l'association entre Shockwave et Onslaught. Donc malheureusement, je n'ai pas le reste de ses compagnons pour pouvoir vous exposer la team au complet. Hein, je n'ai juste que celui-ci. Mais on peut faire un petit comparatif par exemple avec voilà, Deadend, puisque comme je vous disais, je possède Menaceur au complet. Et voilà, moi ce qui va me choquer surtout en termes d'échelle, c'est que Deadend se retrouve au niveau du gabarit beaucoup plus grosse, beaucoup plus imposante que Onslaught, qui est normalement un véhicule militaire. Voilà, moi c'est surtout ce qui va me choquer. Mais sinon, bon voilà, on est bien dans la gamme Combiner Wars, hein, il n'y a pas de souci. Et petit comparatif donc avec notre Onslaught Robots in Disguise 2002, voilà, qui est lui-même donc un repaint du Onslaught G1 d'époque. Voilà. Voilà, donc après avoir fait le point sur Onslaught dans son mode alternatif, nous allons pouvoir passer à présent à l'étape transformation. Alors pour cette dernière, vous allez voir, c'est tout simple. Il vous suffit de relever ces panneaux vers le haut, comme ceci. Ensuite, vous allez venir séparer ce qui va venir former les jambes. Vous les ressortez légèrement donc pour les étendre et vous essayez donc de replier, voilà, cette pièce-là sur elle-même pour ajuster notre petit bonhomme comme ceci et comme cela. Quand c'est fait, vous faites un demi-tour, ainsi. Vous rabaissez ce qui va venir former les pieds. Vous sortez les talons qui se trouvent juste à l'intérieur. Alors, je vais prendre un petit peu de hauteur. Hop. Ensuite, vous séparez l'avant de la cabine pour venir former les bras. Un quart de tour, comme ceci. Vous abaissez ces parties-là pour former les bras. Voilà, vous pouvez replier les parties des cabines pour former donc la continuité des épaules. Et dernière opération, on vient sortir le cucu, la tête-tête. Et voilà, mesdames et messieurs, Onslaught dans son mode robot. Alors, on peut juste, voilà, ramener les canons un peu plus en avant. Voilà un petit peu ce que donne notre
Notre pépère Onslaught dans son mode robot. Alors que je trouve un peu plus chouette d'ailleurs. Et surtout plus détaillé. On a des petites couleurs. Voilà, du silver ici par exemple. On a le torse qui a été voilà, qui est peint, qui a des détails, donc je reviendrai dessus juste après. Mais voilà, il fait un peu moins monochrome que le mode alternatif. Et voilà, donc en termes de backpack, ça reste à peu près correct. On va faire également, comme je vous le disais, un gros plan sur le torse et le visage. Car le visage est quand même vachement bien fait. On reconnaît vraiment Onslaught. Il n'y a pas à dire. Avec son casque en forme de casquette militaire. Voilà. Une bien chouette tronche. Et tout l'avant du chest, de la poitrine, donc, qui est pourvu de petits détails en peinture, donc qui viennent donner du relief et un peu plus de réalisme au robot. Donc vraiment, voilà, autant le mode alternatif me laisse un petit peu dubitatif. Je suis pas, voilà, c'est pas le mode pour moi le plus sympa des deux. Mais le bon robot est vraiment bien burné. Voilà. Donc en termes d'articulation, nous allons avoir donc voilà la pulpe Dove. Il n'y a pas de souci. Guili-guili, il assure la pose. Nous avons la possibilité de plier le coude avec voilà une double articulation. Première. Et deuxième, nous avons également l'avant sur un joint champignon qui permet une rotation complète de l'avant-bras. Les points sont fixes, voilà, puisque moulés directement dans le plastique. Le torse est fixe, le bassin du moins, donc pas de rotation du bassin. Le grand écart JCVD, alors de part. Les superbes ratchets dont il est pourvu. Voilà, on peut dire que là encore, il assure la pose dans ce sens. Et dans ce sens. Voilà, nickel. Nous avons une rotation à plus de 90 degrés. Du genou et nous avons également donc l'extrémité des pieds que l'on peut légèrement lever ou baisser de par la transformation ainsi que les talons. Voilà. Donc là encore pour un voyageur pas trop mal articulé, j'aurais bien aimé une rotation du bassin pour avoir voilà. Un mouvement plus adapté, enfin un mouvement disons supplémentaire, puisque c'est un voyageur, il ne l'a pas, c'est pas voilà, c'est pas dramatique. Donc voilà notre petit pépère, vraiment bien réalisé. Et nous pouvons y fixer également notre ami Shockwave dans son mode gun. Pour le mode Onslaught et surtout pour le mode Bruticus. Et petite photo de famille de mes deux Onslaught, donc la version Robots in Disguise 2002, donc la réissue du G1, et notre version Combiner Wars, voilà, côte à côte. Voilà, donc intéressons-nous, excusez-moi, à présent donc à notre ami Onslaught dans sa configuration en mode torse. Alors donc pour commencer, vous repliez les bras sur eux-mêmes comme ceci. Ici, vous avez un petit ergot qui va permettre de se loquer juste ici sur le haut de l'épaule. Idem ici, à part que l'ergot se trouve juste ici, à l'extrémité du poing.
on vient loquer ça comme ceci. Vous rentrez le QQ, la tête-tête. Vous faites un demi-tour de cette pièce-là. Vous placez ça comme ceci. Vous avez les deux ergots ici qui viennent se loger ici et ici. Voilà, vous venez loquer et sécuriser le tout comme ceci. Quand c'est fait, vous rabaissez, vous rabattez vers le bas cette partie-là. Vous remontez les canons. Voilà, vous positionnez bien le tout. Ensuite, quand c'est fait, vous avez les ergots au niveau des ailes qui viennent se loquer sur ces parties-là, juste ici, pour venir les maintenir. Alors d'abord, on fait un quart de tour comme ceci et on vient loquer. Voilà, ce qui doit vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, vous ouvrez complètement les petites trappes juste ici pour venir loger les bras. Hop. Au niveau des jambes, donc cette fois-ci, vous les dépliez complètement et vous les rabattez à l'intérieur de façon à ce que l'ergot qui est ici viennent se loger juste dans cette partie ici. Comme ceci, vous remontez le talon, vous faites un quart de tour. Idem ici, on remonte le talon, un quart de tour. Ensuite, vous remontez ces pièces-là. Et voilà, donc Bruticus dans son mode torse. Alors comme je vous le disais, hein, je n'ai pas le reste de la team, mais on va voir ce que ça peut donner avec Menasor, puisque de toute façon l'histoire des Combiner Wars veut que tout soit compatible entre eux. Voilà, donc on va voir ce que ça donne tout de suite avec donc les personnages de la team de Menasor. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà notre team notre team donc Menasor assemblé donc sur Onslaught. Voilà pour vous donner une idée de ce qu'il peut faire une fois transformé. Alors dernière petite chose que j'ai oublié de faire, c'est de rabaisser cette partie-là. Et voilà, donc notre ami Bruticus Menasor transformé. Alors là, par contre, comme j'ai les mains du kit Perfect Effect, il n'est plus possible donc de pouvoir accrocher Shockwave dans son mode gun. Alors c'est un petit peu dommage. Et je ne sais pas si on peut le faire tenir autrement. Je ne pense pas. Ouais, donc j'aurai pas de résultat vraiment très très concluant. Donc voilà notre petit père Bruticus dans son mode robot. Et dernière petite photo de famille de mes différents Bruticus. Donc la version réussie G1 pour la gamme Robots in Disguise sortie en 2002. Le Bruticus Combiner Wars et le Bruticus de chez Machine Boy. Voilà les petits amis. Oui, oui, je suis fan du personnage, ça ne fait aucun doute. Il me reste par contre le reste de la team pour pouvoir avoir le véritable Bruticus.
Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue du jour consacrée au plutôt pas mal Onslaught, donc de la gamme Combiner Wars, voilà, que vous pourrez peut-être trouver encore dans certains magasins Action. Je ne sais pas s'ils les suivent encore, mais bon voilà, vous pouvez toujours tenter le coup. Je remercie au passage à nouveau mon chat pour me les avoir offerts. Et mon copain, mon ami Yvan West-Laurence, voilà, qui grâce à sa chaîne chez Yvan West-Laurence, que vous pourrez retrouver sur YouTube, voilà, m'a fait part, grâce à ses bons petits plans, ses petites trouvailles, pour des prix plutôt très raisonnables. Je vous invite donc à visiter sa chaîne, et puis voilà, pour tous ceux qui ont connu l'ère 10e planète, voilà, vous vous sentirez à nouveau chez vous. Voilà, je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez les amis, bye bye, tchuss! Ouais, ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Mais va vraiment falloir que le grand barbu trouve le reste de la team, parce que là, tu fais un peu solitaire, mon petit père. Allez, t'inquiète pas, le grand barbu va peut-être te trouver les autres un de ces quatre. Oui, j'avoue que ça ne me déplairait pas. Ouais, bah désolé les gars, mais moi je suis pas de la thune comme je veux. Alors, vous attendrez.